Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou bonjour selon l'heure à laquelle vous la regardez. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, cette cigarette électronique, la RPM Light Kit de Smoke. Alors, c'est une cigarette électronique qu'on retrouve dans les 30 euros, ce qui est extrêmement peu cher pour une cigarette électronique. Elle a une batterie de 1200 mAh, ce qui en fait une autonomie très réduite. Mais si vous avez une batterie nomade, par exemple, ça peut régler le problème. Elle se recharge en USB. En micro USB, donc l'USB qui était avant l'USB type C. Il y a le câble fourni avec, il y a deux résistances fournies avec. Je vous explique comment ça marche. On décroche le haut de la cigarette électronique. Ici, on peut voir qu'on peut mettre la résistance là, et ici, avec ce petit clapet, on ouvre et on met le e-liquid. Le inconvénient de cette cigarette électronique, c'est qu'on sait plus, on sait pas quand est-ce qu'il n'y a de plus de liquide, à part évidemment quand on sent qu'il n'y en a plus en la fumant. Elle va jusqu'à 40 watts, elle est réglable, il y a un petit écran, et elle est plutôt pratique puisqu'elle est toute petite et en plus en doré, elle est très jolie. Alors, est-ce qu'elle est efficace? Oui, pour moi, elle est très efficace. Elle m'a permis de réduire ma consommation de tabac vraiment énormément. Et franchement, je trouve que c'est un très bon produit pour les débutants en cigarette électronique qui ne veulent pas investir trop d'argent, qui veulent juste tester leur cigarette électronique. Surtout qu'elle monte jusqu'à 40 watts, ce qui fait qu'on peut vraiment avoir une grosse fumée épaisse et en bouche qui soit assez puissante. Cette cigarette électronique, elle est vraiment agréable à fumer, je trouve. Elle est pratique, elle se transporte partout dans une poche. Et moi, je vous la recommande fortement. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite.